Samedi midi, Maria et Alessandro Licori ont célébré leurs 50 ans de mariage au restaurant L'Ardoise à Romba. À cette occasion, toute la famille s'était réunie pour partager avec eux ce bel événement et fêter, comme il se doit, leurs noces d'or. Monsieur Fournier, maire de Romba, accompagné de Monsieur Risser et Monsieur Saudry, faisait également partie de la cérémonie. Monsieur Fournier est revenu brièvement sur les aléas de la vie d'un couple et sur leur parcours avant que Maria et Alessandro échangent pour la seconde fois leurs alliances. Chérie, tu m'as donné 50 ans d'amour et de bonheur à moi et tous nos enfants et les petits enfants. Attention ma mère. Je ne sais pas comment dire. Mon mari il a perdu l'alliance, et ben, je n'ai fait une autre. Hein. Jusqu'à la mort, il n'y sait pas. Voilà. Bravo. Un symbole qui immortalise leurs 50 ans de vie commune et reflète très bien leur amour. Maria et Alessandro se sont rencontrés en Italie lors d'une visite de famille en 1959. Mais ce n'est que le 1er février 1962 qu'ils ont convolé en juste noces pour concrétiser leur amour. De cette belle union est né 4 garçons, Rocco, Carmine, Daniel et Ciro, et leur famille n'a cessé de s'agrandir puisqu'ils ont aujourd'hui 4 petits-enfants qui font tout leur bonheur de grands-parents. Alessandro a travaillé 33 ans à Sidelor et a reçu la médaille des 25 ans d'usine. Il a pu prendre sa retraite en 1988 après toutes ces années de bons et loyaux services. Aujourd'hui, il profite de son temps libre et le partage entre le club de pétanque de Romba, dont il fait partie, le jardinage, les jeux de cartes et sa famille. Maria, quant à elle, était mère au foyer et s'est occupée de l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, elle partage la passion du jardinage avec son mari et profite de ses petits-enfants. Un beau parcours qui mérite d'être souligné. Félicitations donc aux époux et encore beaucoup de bonheur pour les années à venir.